Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission, parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par votre serviteur, Sanvi Koku Apetogbo Samuel. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Quel message le Seigneur voudrait nous adresser encore? J'entends la phrase impérative, bats-toi, bats-toi. Tu dois te battre pour aboutir et accomplir ta destinée. Aucune vision n'est facile à accomplir. Aucun rêve ne peut se matérialiser facilement. Il faut se battre. Il faut s'efforcer. Il faut de l'endurance. Il faut des luttes et des combats. C'est pour cela que tu dois te battre. Bats-toi pour réussir ta vie. Bats-toi pour accomplir ta destinée. Personne ne le fera à ta place. Tu es la seule personne qui peut faire réussir ta vision. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur te dit que tu dois te battre. Bats-toi pour réussir dans la vie. Bats-toi. Bats-toi pour accomplir ce pourquoi le Seigneur t'a destiné. Fais le bon combat. Accomplis ta mission. Nous allons tourner notre Bible dans le livre de 1 Timothée. Nous allons lire quelque chose rapidement dans la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Là, il est écrit, et c'est les paroles de Paul à son fils Timothée. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Vous ne pouvez pas vous battre, vous ne pouvez pas exercer votre combat sans la foi. Tu dois te lever, combattre, tu dois te lever, lutter avec la foi comme signe de victoire et de triomphe. Bats-toi pour réussir. Tu es créé pour vaincre. Tu es créé pour réussir ta vie. Tu espères trop en des gens. Tu te confies trop aux hommes. Confie-toi en l'Éternel. Et puise ta force de l'Éternel, de ton Dieu. Et combat le bon combat de la vie. Tu ne dois pas te battre au côté négatif. Mais fais le bon combat. Saisis ce pourquoi tu rêvais, c'est par le combat. Il a été dit à Timothée de faire le bon combat de la foi et de saisir la vie éternelle à laquelle il a été appelé. Toi, tu as été appelé à faire quoi dans la vie? Tu as quelle aspiration de ta vie? Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Cela n'arrivera pas sans l'effort. Cela n'arrivera pas sans le combat. Cela n'arrivera pas sans les luttes. C'est pourquoi il faut combattre le bon combat. Sois du bon côté pour remporter la victoire. Tu es plein de potentiel. Tu es plein de compétences. Tu es rempli de talent. C'est pourquoi ne croise pas les bras. Ne dis pas « quelqu'un va le faire à ta place ». Ne dis pas aussi « il n'y a personne pour le faire ».
Jamais. Tu es la seule personne sur qui Dieu compte pour ce ministère. Nous avons reçu de Dieu différemment. Dieu a vu ta capacité. Parce que ce qu'il a mis en toi, il sait que tu peux l'accomplir. Alors, le Seigneur nous dit ce matin d'accomplir nos rêves en se battant, d'accomplir nos visions en faisant le bon combat de la vie. Veux-tu rester toujours là sans rien faire, espérant à un Dieu de miracles pour agir dans ta vie? Dieu a besoin de ta collaboration pour te soutenir. C'est pourquoi fais le bon combat. Bats-toi pour réussir. Bats-toi pour réussir ta vie, pour réussir ton ministère, pour réussir ta vision, pour accomplir ton rêve. Lorsque tu as un rêve, lorsque tu as une vision, il y a aussi les éléments perturbateurs. Il y a aussi les oppositions. Il y a aussi des luttes au-dedans et au-dehors. C'est pour cela qu'on dit souvent que la vie est un combat. Bats-toi pour réussir ta vie. Telle est la pensée du Seigneur, l'Éternel, ton Créateur, pour toi. Tu ne dois pas rester comme ça. Lorsqu'on met au monde une petite chèvre, elle se bat pour se tenir sur ses quatre pattes. Lorsqu'on met au monde un enfant, un petit bébé, il se bat pour téter le sein de sa maman. Alors, bats-toi. Fortifie-toi avec ces paroles. Car Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 11, verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Oui, c'est les violents. Fais violence à toi-même pour réussir. Applique la discipline à ton corps pour réussir. Prive-toi de certains plaisirs pour réussir. Une nouvelle année s'annonce devant toi. Les jours seront toujours les mêmes. Lundi sera toujours lundi. Mardi sera toujours mardi. Mercredi ne changera pas de nom. Jeudi ne changera pas de nom. Vendredi sera toujours vendredi. Samedi sera toujours le week-end. Dimanche sera toujours la journée dominicale. Mais c'est toi qui dois se battre pour réussir. Les 12 mois de l'année ne seront jamais les 13, mais c'est plutôt toi qui dois se battre. Alors, bats-toi pour réussir ta vie. Ne croise pas les mains en disant que c'est déjà trop tard. Non, même à 80 ans, tu peux réaliser ton rêve. Il n'est pas encore trop tard pour toi pour réussir, car le meilleur reste toujours à venir. N'oublie pas, tu dois te battre pour réussir. Oublie tes faiblesses, oublie tes incompétences. Tu es créé pour réussir. Que le Seigneur soit ton soutien et ton fondement. Tu es le responsable et l'auteur de ta propre réussite. Que la paix et la joie du Seigneur gardent vos cœurs en Jésus-Christ. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou, Apetobo Samuel. Et à la prochaine, avec la présence du Seigneur. Amen.